Je voulais euh, revoir ce que j'avais pu lancer, inaugurer, euh, ouvrir même euh, comme, euh, comme équipement ou comme euh, chantier. Euh, avec déjà la... Ce mardi, François Hollande était en visite à Lens. Reçu par Sylvain Robert, maire de la ville et président de la communauté d'agglomération de Lanciers-Vins, ils se sont rendus au Louvre-Lance, site emblématique de la ville que l'ancien président de la République avait inauguré pendant son mandat. Je souhaitais voir ce qui avait été réalisé depuis que j'y étais passé. Et aussi bien pour le Louvre-Lance et son développement, qui est une réussite exceptionnelle à l'échelle du pays. La délégation a ensuite fait une halte à l'îlot parmentier de la Cité Neuve de Lens afin de dresser le bilan de tout ce qui a été entrepris depuis près de dix ans dans le cadre de la rénovation urbaine. Là aussi, cette opération que j'avais lancée avec la mairie de Lens a pu avoir des, des résultats tangibles, même s'il faut aller beaucoup plus vite encore, et que l'État doit comprendre qu'il doit pas mettre des bâtons dans les roues, mais au contraire pousser autant qu'il est possible la voiture. Une visite qui s'est terminée au centre socioculturel Vachala que l'ancien président connaît bien puisqu'il l'a également inauguré. Je les avais inaugurés. C'était des bâtiments beaux mais vides. Et aujourd'hui, c'est une ruche ici, hein donc il euh, y a des associations multiples, il y a, y a de la vie, il y a toutes les générations. Ça aussi, c'est un exemple, c'est-à-dire euh, il ne s'agit pas de créer des équipements, il s'agit de, de susciter un engagement, une mobilisation, une vie commune. Bon, donc tout ça me conduit à penser que. Euh, le territoire de Lens est en train de vivre une mutation euh, qui, qui donne de la fierté à ses habitants, qui donne de l'espoir, qui fait euh, avancer le progrès. Cette journée Lensois s'est terminée au Stade Bollard de Lolis pour assister au match RC Lens-Arsenal. Moi j'aime euh, le football, j'aime euh, l'équipe de Lens, j'aime le public euh, de Lens, du Stade Bollard. Donc j'étais heureux d'être invité par le maire de Lens pour assister à ce match. Une journée de découverte ou de redécouverte, de rencontre, mais aussi fortement en émotion avec la victoire des et or.